Russula vesca. Russule comestible. Comestible. Ce champignon apparaît dès la fin de mai jusqu'en octobre. C'est peut-être la plus commune des russules dans les forêts de la plaine, surtout les chênaies siliceuses et également sous d'autres arbres feuillus. Elle est plus rare sous conifères en montagne. Le chapeau, qui mesure de 6 à 11 cm, est plus ou moins creusé au centre. Sa marge est lisse et courtement cannelée, obtuse, mais sur les jeunes sujets, elle ne cache pas la partie antérieure des lamelles. Il est très variable de couleur, mais jamais franchement violet, typiquement d'un brun vineux ou brun purpuracé. Plus sombre, au centre, également couleur noisette ou de pierre. Gris pâle, parfois avec de légères tonalités gris violacé ou brunâtre. La chair est épaisse, plutôt ferme, tant qu'elle est intacte, tendant un peu à devenir jaunâtre, ou à se tacher de rouillé jaunâtre à la base. Odeur négligeable, saveur douce de noisette, assez caractéristique. Les lames sont serrées, blanches, un peu crème à la fin, moins élastiques et assez fragiles à l'état adulte. C'est un très bon comestible, d'autant plus intéressant qu'il est extrêmement répandu.